Moi-même, qui est responsable pour cette nouvelle société à Manchester. Il y a ma fille qui doit me représenter ici. Moi, je suis installé à Genève. On peut mettre notre structure basée à la base de Genève. On a notre propre bureau. On a un bureau à Anvers. On va ouvrir à Paris, à Londres. Et je suis associé avec Cécile, que vous connaissez pas, mais elle est de Genève également. Et on est ensemble à Kinshasa et puis à Londres. Et puis on aime bien promouvoir un petit peu la sérieuxité dans le collectif. On sait que malheureusement, il y a beaucoup d'abus. Nous aimons nous prouver qu'il y a aussi autre chose. Et puis si vous nous faites confiance, on a un prochain départ le 21 mai de Manchester. Et les colis vont prendre le bateau le 28 mai. Et normalement, si tout va bien, ils arrivent entre le 25 et le 30 juin à Kinshasa. Et faites un test, vous n'allez pas être déçu. Et ensuite, je veux bien que vous dites à vos amis, votre famille, car colis transport essaye, si c'est possible. Et je vous laisse continuer à manger. Je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, je vous l'ai déjà expliqué. Juste encore une chose, les cartons que nous avons ici. Nous avons exprès pris une taille un petit peu plus petite que tout le monde. Pour une simple bonne raison, c'est que ce n'est pas plus cher ou moins cher. Nous sommes moins chers que la concurrence, entre parenthèses. Mais c'est beaucoup plus facile pour porter. Pour vous à la maison, pour préparer, pour aller chercher ensuite à Kinshasa. Quand le carton il est grand comme ça, il faudra 2-3 pour le porter parce qu'il pèse 100-150 kg. Ces cartons, malgré la petite taille, ils pèsent des fois 80 kg, ce qui est déjà pas mal. Mais ça facilite à tout le monde la tâche et le prix n'est pas le même prix que si on prend un grand carton. Nous les vendons 4 livres, il faut les payer quand on prend le carton, ça c'est important parce qu'autrement on n'a plus de retour, malheureusement, c'est un peu l'expérience qu'il y a fait ça. Et puis ensuite vous payez 90 livres pour le carton et ça arrive jusqu'à Kinshasa, vous ne payerez rien du tout là-bas sur place. Je suis en train de regarder avec Cécile vraiment comment faire une livraison à la maison pour un carton forfaitaire, mais c'est un projet, j'ai eu une idée tout à l'heure, on en reparlera. Mais c'est ces gens qui veulent qu'on livre chez eux à la maison, éventuellement on peut donner ce service en plus. Et puis j'aimerais bien que ma fille Nadia me représente bien ici, si vous avez un problème, eh bien, elle est là où je suis. Et puis je me ferai un plaisir de vous connaître. Je voulais voir, manger, et il faut manger, hein. Donc comment on va en être ailleurs? Alors, après Genève, maintenant on est à Manchester. Donc finalement, ce que vous avez promis à Genève, c'est réalisé. Okay. Quelles sont vos impressions pour cette soirée d'aujourd'hui? Je sais pas. Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont contents. Moi, je suis content que les personnes soient venues. J'avais peur que personne vienne. On était quand même une trentaine de personnes, c'est bien. Bon, c'est quelque chose qui va bénéficier à la communauté. Donc, bien évidemment, il pouvait y avoir des gens qui allaient venir. Et donc il y a eu beaucoup de gens qui sont là. Et d'après ce que j'ai parlé aux gens, c'est quelque chose qu'ils attendaient vraiment. Et c'est bien de vous avoir ici. On a donc avec Carl, la fille de Manchester, c'est votre fille Nadia qui va en fait voilà. Et après maintenant, Carl Trafic Manchester, nous sommes en train de donner rendez-vous encore à Londres. À Londres. Mais donc, petite précision, ce n'est pas Carl Trafic, c'est Colis Transport. Colis Transport. C'est Colis Transport, et à Londres également Colis Transport. Et à Paris également Colis Transport. Ok, expliquez-nous, Carl Trafic, Colis Transport. C'est simple, Car Trafic, c'est la société que j'ai créée en 1985 pour transporter des voitures. Ok. C'est du ce nom, Car Trafic. Et là, notre optique a changé un tout petit peu. On fait toujours des voitures, on fait pas mal de voitures, mais on a commencé il y a 5-6 ans à transporter des colis. Ok. Ce qui fait que aujourd'hui, si j'appelle la société à Paris ou à Londres ou à Manchester Car Trafic, ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a pas de sens, c'est colis transport. Pourtant, on a beaucoup de demandes pour des voitures. Okay. Même ici, à Manchester, on a tous les jours des téléphones, on a dit à tous les jours des téléphones pour transporter des voitures spécifiquement à Goma. On va commencer aussi avec les voitures. Mais la priorité, c'est quand même les colis. Les colis, parce que c'est ça la demande qui est en fait. Et puis, on est bien implanté pour les colis. Dû à notre société à Kinshasa, ça fait ça, ça est pas mal.
Là, on est partout, on se voit encore à Londres et puis là, moi, je suis contente de la soirée, comment ça s'est passé et puis de la réponse du public aussi. Et we want to hear something in English from you, because here you're in Manchester. Yes, I'm with Brennan. But, yeah, just, you know. Just say hello to the people from Kinshasa or UK or Kinshasa who speaks English. I think so. Everybody who lives in England speaks English. They should. I think so. You talk English now, isn't it? Okay. So, no, we are a company, a transport company, and we like to do something special, especially in COVID transport for the goods all over the world. We not only make only Kinshasa and Angola, we make also all over the world. We send for Salford University, we send a lot of goods from here to Arabia Saudita, to America, to Tokyo. Everywhere we send goods from our office here. Yeah. And it's not only for Kinshasa. I like to do these goods for Kinshasa because I like to people from Congo. Yeah. So, but we are open for everybody everywhere in the world. Yeah. But so I hope that we have also other people in our pages. Of course. Thank you very much. I'm so happy. And thank you. We had a good time. Yeah. Thank you very much. Thank you very much for all what you do. All right. Okay. Alors, nous avons Monsieur Luison. Quelles sont vos impressions par rapport à d'abord la soirée? On est ici pour le launch de Car Traffic Manchester. Mm-hmm. Et vous êtes là. Pourquoi est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative qui a été prise d'avoir une telle compagnie ici à Manchester? Mm-hmm. C'est d'abord dire un grand merci à André. En tant qu'homme d'affaires, il a aussi le sens de l'humanisme, d'apporter sa contribution auprès de la communauté congolaise. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une création de la société, mais une société qui va rendre service à la communauté congolaise. Donc franchement, c'est une joie immense d'avoir une entreprise qui va aider la communauté. Aider la communauté par rapport à quoi vous pensez ? L'acheminement du colis ici à Manchester a toujours été difficile. Okay. Ça c'est vrai. L'acheminement des colis a toujours été difficile ici à Manchester. C'est vrai qu'il existe des compatriotes qui font des containers, mais une société structurée et avec des infrastructures en place, franchement, c'est la toute première. Donc, nous lui souhaitons bonne chance et espérons que ça va continuer à aller de l'avant pour l'intérêt de la communauté. Juste une question, avant qu'il y ait un car trafic ici à Manchester, comment est-ce que les Congolais étaient en train d'acheminer tout ce qu'ils ont envoyé au Congo? Sincèrement, je pense que c'est dit des bouilladisme, si je peux me permettre de le dire. Okay. Hein? C'est souvent un membre de la communauté qui fait son conteneur, il appelle les autres. Mm-hmm. Hein? J'ai un peu de l'espace dans mon conteneur, je voudrais que vous mettiez des colis. Okay. C'est comme ça que ça se passe. Mm-hmm. Mais une société bien structurée, franchement, pour moi, c'est un avant-première. C'est un avant-première pour vous d'avoir un étranger qui est en train de nous aider, nous les Congolais, mm-hmm. à emmener nos affaires au Congo. Oui. Pensez, ou bien c'était quelque chose que nous, en tant que Congolais, on devait continuer à se battre ou peut-être on peut apprendre de lui. Ben, je pense que, soyons sincères, à chacun son domaine. Okay. Hein? Les Congolais qui s'investissent dans ces domaines n'ont pas assez d'expérience. Hein, ce n'est pas de la critique, mais c'est la vérité. Hein, je fais par exemple la sécurité, je gagne un peu d'argent, j'ai fait un conteneur, je mets une voiture dedans, j'appelle mes compatriotes pour pouvoir les acheminer au pays. C'est comme ça que ça se passe au sein de notre communauté. Mais une compagnie bien assise, bien structurée, franchement, c'est la toute première fois. Donc félicitations, monsieur André. Félicitations, monsieur André, et je lui souhaite beaucoup de bonnes choses pour l'expansion de son entreprise. Parce que quand je l'ai connu, il avait juste colis transport et TD à Genève. Mais aujourd'hui, il y a une branche en Anvers, il y a une autre qui vient de s'ouvrir à Paris, et je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine, je crois, ou j'ai oublié la date, mais il va ouvrir une autre branche à Londres. Donc franchement, on ne peut que lui dire coup de chapeau et voilà. Donc félicitations, nous invitons tous nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas,
qui sont à Manchester, de venir, c'est quelque chose qu'il a beaucoup d'expérience en vrai, donc on a confiance et puis on le souhaite. Ça fait à peu près 30 ans, je crois, si je ne me trompe pas, que son entreprise existe. Donc, ce que nous trouvons difficilement, il faut toujours le confier entre les bonnes mains. Oui, bien sûr. C'est là mon souhait et je pense que ça se passera de cette manière. Okay. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors voilà, on a Nadia qui va être en fait le responsable de la branche de Manchester. C'est la fille de André. Et Nadia, vraiment, je vous félicite pour la soirée d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de gens. Oui, je suis contente. Et donc, on voulait juste se présenter au public parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Vous allez voir, il y a eu du positif et tout. Et pour que le public sache en fait qui sera derrière Bully Transport à Manchester. Donc, voilà. Merci beaucoup pour la soirée. On a vraiment une chose. Ouais. Et bon, un petit mot, juste un tout petit mot pour moi. Je sais que tu es fatiguée, mais un tout petit mot. Non, pas de souci. Ça m'a fait plaisir d'organiser la soirée pour présenter le bureau, montrer aux gens où on est, qui nous sommes. Et puis, voilà. Ça me fait plaisir d'être la responsable ici pour travailler. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici en Angleterre? Ça fait depuis septembre 2012. J'ai fait des études et puis ensuite je me suis lancée. Merci beaucoup, Nadia. Maintenant, vous allez vous reposer. Ok, merci. Alors, maintenant, on a monsieur Laurent. Merci de nous donner cette interview. Quelles sont vos impressions par rapport à la soirée d'aujourd'hui? On est content. Faire quelque chose dans cette ville de Manchester pour essayer d'envoyer les colis. Et tantôt, quand je suis arrivé, je lui ai dit simplement que le succès de cette entreprise dépendra de rapidité et surtout du sérieux qu'ils mettront pour envoyer les colis. Parce que c'est vrai qu'on constate qu'il y a aussi un bon nombre de compatriotes qui se sont lancés dans cette activité, mais qui, à la longue, savaient que ce n'était pas quelque chose de sérieux. Et je crois que le succès de cette entreprise dépend, comme je disais tantôt, du sujet qu'ils mettront pour pouvoir envoyer et que les colis pouvaient arriver à destination. Et vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, un blanc qui est en train de faire quelque chose comme ça pour la communauté. Est-ce que c'est un pas en avant, c'est un pas en arrière? Non, mais c'est quelque chose de positif. Ça prouve que nous n'avons pas réussi dans ce domaine. On a vraiment échoué parce qu'il y en a qui ont commencé, mais on a vu dire on n'en parlait plus. Donc voilà, c'est quelque part pour nous stimuler un peu. On a confiance que ça va aider la communauté située ici à Manchester pour pouvoir voir les choses positivement. Donc malgré, pour moi, c'est tellement important que malgré l'échec je ne savais pas de compagnie parce que c'est un business qui est très difficile à faire. C'est pas seulement la mauvaise volonté des gens qui sont en train de faire le business, c'est que c'est très difficile aussi de faire. Et même s'il y a quelqu'un qui le fait, c'est pour la communauté, nous bénéficions tous de ça. Mais est-ce que c'est quelque chose aussi que nous pouvons apprendre d'André, la façon dont il est en train de faire, comme vous dites, la rapidité et le sérieux? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir aussi seulement le sérieux et la rapidité? Oui, mais c'est vrai qu'on va voir et c'est vrai comme tu l'as dit, on va apprendre parce que bon, c'est vrai que c'est pas la première entreprise qui va. Il a commencé, il est à Genève, il est en Belgique et je crois que le travail qu'il fera nous donnera aussi, en fait, on va s'inspirer de ça pour pouvoir faire quelque chose. Pourquoi ne pas être deux, trois entreprises à Manchester avec celui qui va amener ici. Et parce qu'aussi, on a toujours besoin de gens qui vont transporter les colis parce qu'il y a quand même un nombre de colis ici à Manchester qui voudraient envoyer les colis au pays. Donc ce qui vous motive, c'est l'expérience d'André. Exactement, et il est longtemps dans ça et je crois qu'il
belle expérience. Il m'a dit tout à l'heure, on a vu les images, il a avancé. Je crois que c'est quelque chose de positif et nous, on va s'inspirer de ça. Merci beaucoup, monsieur Laurent. Écoutez, on souhaite bonne chance à André. Et c'était Yula Kabongo, Miron Magazine à Manchester. Merci beaucoup. Merci. Hi, I'm Nabe. Hi, I'm Vanessa. Hi, I'm Tanya. And together we are the Mankotos. We are here today for the launch party of Car Traffic. It's a transport company to be sending shipping boxes to Africa, specifically Congo Kinshasa and Angola Luanda. So we are here to see the office, to see where everything will be happening. So it's based here in Manchester. We are very happy that we've got this company, you know, finally here in Manchester. I'll leave my two sisters to talk more about it. Why, thank you very much, Tanya. As she was saying before, it's here based in Manchester. It's very convenient for the African community, especially because they can send it for you. Like, for us, this is going to be really helpful because our mom lives back home. So I see they're doing like a £90 box, which is like really affordable, especially that it's quite big as well. You can fit a lot of things in. It's only a set price for that box. Yeah. So, you know, you can fill in shoes, bags, a laptop, whatever. Anything. And you only pay one set price. You don't have to pay any tariffs or anything like that. It's all included. So that's quite easy as well. I think we do bigger things as well. Like TVs, maybe fridges, and your convenience, bring it over and then we'll sort out an affordable price for you. Oui, alors bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez Yuna Kabongo, chief editor de Mirror Magazine à Genève. Nous avons eu l'opportunité d'interviewer le propriétaire de Car Traffic, que vous avez vu plusieurs fois la publicité dans le magazine. Donc voilà, je vais demander au propriétaire de se présenter. Bonjour à tout le monde, je m'appelle André Trexlin, je suis originaire de Bâle et puis je fais des transports de voitures et puis des colis depuis 28 ans sur l'Afrique et sur le monde entier. Et comment est-ce que vous êtes arrivé à entrer sur à faire le bel business avec le Congo? Oui, c'est très simple, ça, c'est très vieux, hein, puisque j'ai commencé dans les années 80. Il y avait une forte communauté en Suisse qui faisait des transports de voitures, spécifiquement à l'époque. Et puis, c'est au fur et à mesure, la publicité bouche-oreille, les gens étaient contents, et puis ils nous ont fait confiance, et puis c'est comme ça, c'est parti. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé? Est-ce que le Congo est le seul pays, en fait, le seul pays africain? Pour les colis Groupa, nous faisons Kinshasa, Congo, Luanda, en Angola, et de temps en temps, pour Douala, au Cameroun. Ça, c'est les trois destinations principalement qu'on fait. En ce qui concerne les voitures, c'est le monde entier. Partout. Ça peut être Japon, ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Afrique, ça peut être partout. Et ça fait exactement combien d'années que vous avez commencé avec Kinshasa? Depuis 1985. 1985 avec le Congo? Avec le Congo, pour les voitures. Et puis pour les colis, on a commencé en 2010. 2010, ça fait 4 ans. Et quelle a été la réponse du public par rapport à... Très positif. On a commencé avec tous les 3 mois avec un conteneur. Et puis aujourd'hui, on fait tous les mois un conteneur. Et puis les gens sont contents. Je touche du bois, on n'a jamais perdu un colis. On a eu 2-3 casses, mais ça c'est un peu normal. Quand on transporte beaucoup de colis, il faut savoir qu'il y a à peu près 350 colis par conteneur. Alors il est clair que de temps en temps, il y a une vitre qui peut casser, une télévisée que vous avez mis, mais c'est assez rare. Je suis assez content. Okay. Et puis en Europe, quelles sont les bases? Il y a Genève, bien évidemment. Quand on voit, vous avez beaucoup de gens vu ce leaflet dans le magazine qui sera là. On a... En Europe, il y a Genève. Voilà, là-bas, c'est Genève. Mm-hmm. Ensuite, on est allé on a un bureau à Anvers, en Belgique. Oui. On a ouvert à Manchester, un bureau il y a un mois. On prévoit d'ouvrir le 17 avril, je vais ouvrir Paris. Je vais aller signer justement Paris. Et puis, au mois de mai, on va ouvrir Londres. Comme ça, on a une belle synergie dans toutes ces villes.
Elles sont tous accessibles via le port de Anvers. C'est très simple pour envoyer de la marchandise, couper la marchandise. Ça nous permettra de faire peut-être 2 containers par mois avec toutes les marchandises qui viennent de ces 4 endroits. Et dans tout ce que vous faites, est-ce que vous avez des employés congolais? Ben il est clair que nous avons notre propre bureau à Kinshasa. Oui, il y a qui s'appelle il y a que des Congolais et des Congolais qui travaillent. Mais je viens d'engager quelqu'un à Genève pour faire le ramassage des colis, le chargement des conteneurs, l'étiquetage et tout ça, tout à fait. Et la publicité. Voilà. On vient d'engager quelqu'un à 100%, tout à fait. Est-ce quels sont les projets que vous avez restés avec les voitures, les colis est-ce qu'on a parlé qu'il y a aussi les lettres qui vont vous envoyer les courriers aussi? On fait également des courriers rapides une fois par semaine. On a des courriers style comme DHL. On fait la même chose une fois par semaine, deux fois. Rapide, mais c'est quelques jours, 2-3 jours, le délai de l'envoi de l'avion. Entre l'organisation et puis la livraison sur place, c'est à peu près, je dirais, 3-4 jours. Et vous êtes vous-même déjà allé au Congo? Hélas, j'avais prévu d'y aller déjà 2 fois, puis cette fois de nouveau à Pâques, je devais y aller à Pâques. Mm-hmm. Mais bon, moi, la priorité, c'est maintenant d'ouvrir les bureaux ici à Anvers, et en Europe, à Paris et puis à Londres. Et puis après, j'aimerais y aller. Mais c'est pas déjà bon signe le fait que vous n'êtes jamais allé au Congo et puis que vous avez un business qui est en train de marcher et que vous-même, vous savez, vous n'avez jamais vraiment vu la structure, vous le connaissez, mais le pays en soi. Alors, disons, c'est, vu l'expérience de 28 ans de transport de marchandises, entre autres pour les Africains, j'arrive aujourd'hui, en voyant une personne, de dire de quel pays il vient. Pourtant, je ne suis jamais allé en Afrique noire. Okay. Mais je connais quasiment, je sais que si vous êtes Congolais, vous êtes Camerounais, vous êtes Sénégalais, je le vois. Et c'est quand même un signe, c'est l'expérience qui fait ça. Alors automatiquement, on connaît aussi un petit peu les caractères, les pour et les contre de chaque pays. Alors, yeah, c'est clair, c'est... Mais j'aimerais y aller, j'attends plus que ça. L'Afrique est quand même un continent qui est instable des fois. Quelles sont les assurances que les gens ont que, par exemple, on n'est pas en train de souhaiter quelque chose se passe. Quelles sont les assurances pour tout ce qui est, par exemple, j'ai envoyé ma belle voiture et l'instabilité éclate en Afrique. Quelles sont mes assurances? Nous, en tant que car trafic, en tant que transporteur, on donne une garantie pour la manière de travailler, qu'elle arrive avec une bonne compagnie à bon port. Si après, il y a des problèmes au port d'arrivée parce qu'il y a un conflit, parce qu'il y a une grève, parce qu'il y a quelque chose sur place, ce n'est plus notre responsabilité. Nous, on fait en sorte, nous, on est chargé d'amener les marchandises de A à Z. Et puis, quand le bateau a quitté le port, on est décliné de la responsabilité à destination. Et ça concerne, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour nous. C'est les lois officielles du maritime. Alors, automatiquement, nous, notre rôle, c'est de choisir une bonne compagnie maritime. On ne va pas prendre des compagnies qui ont tout le temps des bateaux qui coulent, des choses comme ça. Nous, là, on peut être responsable. Okay. C'est le choix de la compagnie qui est important. Et c'est la raison pour laquelle, pour le Congo, nous, on travaille quasiment exclusivement qu'avec la compagnie maritime congolaise. La CMDC, et puis aujourd'hui, elle s'appelle King. Elle a un autre nom aujourd'hui, mais en tout cas, c'est toujours CMDC, la compagnie congolaise. Okay. Et puis, vous avez dit que vous n'avez jamais eu de problème avec toutes ces années que vous avez commencé 4 ans. Non, jusqu'à maintenant. Non, je suis très prêt à représenter ce place. J'ai une association qui est très très bien. Alors, de ce côté-là, je ne peux pas me plaindre. Et donc, vous allez rester dans. Vous n'allez pas expandre dans un autre business au Congo, seulement on va rester dans votre expertise. On ne peut pas savoir ça. Aujourd'hui, je répondrai, je ne sais pas. Peut-être, on ne sait jamais. Je suis quelqu'un, je suis en mode d'affaires, je fais plein d'autres choses à part ça. Mais c'est bon, c'est une ouverture. Oui, bien sûr. C'est un peu la raison pour laquelle j'aimerais aller sur place pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est le projet. Non, mais ça, je fais un cadre. Et vous avez, il y a le website qui est www.colitransport.co.uk. Ça, c'est pour le UK, en Angleterre. Ah, il n'y a pas un website général? Non, parce que si on veut,
L'évolution de la société voulait que ben, ma première société s'appelle Car Traffic, qui est spécialisée dans les voitures. En 2007, j'ai créé Car Shipping à Anvers, qui fait également des voitures. Et maintenant, on a ajouté les colis, et c'est la raison pour laquelle, en Angleterre, la société s'appelle Colis Transport UK. En France, elle s'appelle Colis Transport SARL. Là, on a pu prendre les mêmes noms. À Kinshasa, ça s'appelle CTK, Colis Transport Kinshasa. Ce qui fait que là, avec ces sociétés, on a une synergie et on va faire un website où toutes les cinq sociétés sont dedans. Mais c'est un tout petit peu trop tôt, il me faut des éléments plus élaborés. Mais chaque société a un petit website. Car Shipping en Belgique, Car Traffic à Genève, et puis en Angleterre, on a juste fait une page d'accueil avec les liens avec des autres sociétés. Et puis ma dernière question, c'est quel genre de population vous avez? Est-ce que c'est tout le monde qui vient, dans l'escalier social? C'est tout le monde qui vient envoyer des voitures, c'est tout le monde qui c'est accessible à tout le monde? Il faut dire on a un métier qui est très très varié. Ça va de la entre guillemets toute vieille voiture pas bon état mais qui marche, qui part en Afrique, jusqu'à la Rolls Royce qui vient des États-Unis ou la Lamborghini qui va à Moscou ou en Arabie Saoudite. C'est vrai, c'est très large. C'est pour les privés, c'est pour les sociétés. On a des clients, des avocats. Vraiment, notre palette de clientèle est très très large. D'ailleurs, c'est très difficile pour nous de faire la publicité. Okay. Parce qu'on touche tout le monde et en même temps on touche personne parce que c'est juste quand même une minorité des gens qui envoient des voitures. C'est la publicité est très difficile. C'est la raison pour laquelle je suis très content que le Congolais il fait le meilleur publicité bouche à oreille. Ouais, bien sûr. Pour nous, on a tous les lundis nous avons des appels des nouveaux clients qui disent j'ai entendu ce week-end. Pour nous, c'est la preuve que ça marche. Ça veut dire que les gens sont très contents et puis automatiquement, ben, on se donne encore plus pour qu'ils soient encore plus contents. Thank you.